Monsieur Mouradimali, bonjour. Bonjour. Alors en 2014, plus de 40 800 micro-entreprises ont été financées. En 2015, ce chiffre a baissé pratiquement de moitié, un peu plus de 23 500. Je vais donner le chiffre exact, 23 676 micro-entreprises. Qu'est-ce qui justifie cette baisse alors que vous déclarez qu'on ne connaît pas d'austérité financière, notre dispositif ne connaît pas de crise et la loi de finances soutient la création de micro-entreprises? Merci. C'est vrai, le nombre a diminué, mais en qualité a augmenté. Parce que cette baisse, elle est justifiée par l'orientation des dispositifs vers des activités créatrices de richesses. Et si on prend à titre d'exemple le secteur de l'agriculture, en 2014, il représentait 26%. En 2015, il représente 29%. Le secteur de l'industrie représentait en 2014 16%. En 2015, elle représente 21%, donc il y a une augmentation en qualité. Donc cette orientation des jeunes vers des activités productrices de richesse, vers des activités où choisir surtout les diplômés et ceux qui ont des qualifications, a permis à réduire ou a été la cause à la réduction de nombre de micro-entreprises financées. Donc quand on dit on n'est pas concerné par l'austérité, parce que ce qu'il faut savoir maintenant, la cause de la situation actuelle de notre pays, c'est la dépendance de notre économie des recettes d'hydrocarbures. Donc, il faut créer une économie diversifiée. La création d'économies diversifiées, elle est réalisée par l'entreprise. Donc, il faut consolider et encourager les mécanismes de création d'entreprises. D'un autre côté, quand vous avez un taux de chômage des jeunes qui représente 29,9%, donc c'est un taux très élevé par rapport à la moyenne nationale qui est de 11,2, quand vous avez des milliers de jeunes au niveau des universités de formation professionnelle, donc ces jeunes sont de plus en plus confrontés au risque de chômage. Donc la formule création d'entreprise par les jeunes et pour les jeunes, c'est la formule qu'il faut dans telle situation. Pour cela, on a été, les dotations budgétaires de 2016 ont été maintenues et le dispositif donc, de l'ANSEJ a été consolidé, conforté, il a eu toutes les dotations qu'il faut. Alors en chiffre, il y a une baisse, c'est ce que vous déclarez, en qualité une hausse, est-ce que cela veut dire quelque part que par la passé, vous n'étiez pas suffisamment regardant sur la qualité des micro-entreprises réalisées? Je ne dirais pas tellement on n'était pas suffisamment regardant, mais on s'améliore de jour après jour. Alors nous sommes dans une dynamique de création de croissance hors hydrocarbures. Quels sont les secteurs économiques que vous privilégiez aujourd'hui, que vous encouragez, puisque vous dites nous sommes regardants sur la question de la qualité de la création des entreprises? Nous on s'inscrit dans la stratégie du gouvernement, donc il y a trois ou quatre secteurs qui sont encouragés par le gouvernement pour, comme j'ai dit, créer une économie diversifiée. Donc il y a l'agriculture, il y a l'industrie, l'artisanat et tout ce qui est start-up de TIC. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs sur la création, par exemple, du nombre d'entreprises ou micro-entreprises dans le domaine agricole pour avoir plus de clarification, de plus de précision? Oui, en 2015, on a financé 6862 entreprises dans le domaine agricole. Et l'industrie, 4913 micro-entreprises, le BTPH aussi, qui est un secteur qui crée de l'emploi, 3838, et l'artisanat, 2170. Donc voilà, après les chiffres des secteurs qu'on privilégie dans le financement des micro-entreprises. 6000 dans le domaine agricole, mais est-ce qu'il y a un suivi pour vérifier que ces entreprises se portent bien aujourd'hui? Parce que beaucoup disent qu'elles sont rapidement vouées à l'échec. Au bout de 2-3 ans. Je pense, madame, on a assez prouvé et démontré par les chiffres, par les statistiques, par des salons, par des témoignages. D'ailleurs, on a vu, on a entendu au début donc, le témoignage du jeune de Clemson que la mortalité de micro-entreprises, elle n'est pas très importante. Elle est de quel ordre aujourd'hui? Elle est à l'ordre de 10% par rapport au nombre de projets financés. Donc on est mieux que la norme internationale qui sont à 30-27% suivant les pays. Donc la mortalité d'entreprise n'est pas très importante. Donc, et aussi pour le suivi, il suffirait de regarder le taux de recouvrement, le taux de par exemple le taux d'indemnisation des dossiers de manque.
on constate que les micro-entreprises travaillent, créent de l'emploi, créent de la richesse et elles sont en activité. Quel est le taux de recouvrement actuel avec le taux d'indemnisation par rapport au fonds de soutien à la micro-entreprise qu'il met en place? Le taux de recouvrement, je vais essayer de vous donner une manière de démontrer comment le recouvrement des micro-entreprises évolue. À titre d'exemple, en 2016, janvier 2016, les échéances qui tombent à terme sont à peu près à l'ordre de 100 millions de dinars. Ce qu'on a recouvré au mois de janvier 2016, 400 millions de dinars. Donc il y a une augmentation de 400%. Ce chiffre-là, en 2014, le taux était de 252% et en 2015, il était de 324%. Donc en 2016, il est de 400%. J'ajouterai autre chose. En 2014, donc, il y a 2000 micro-entreprises ont été financées par le produit de recouvrement. En 2015, le chiffre il a été augmenté dans 4000 projets financés par le produit de recouvrement. Et en 2016, on prévoit d'augmenter encore. C'est-à-dire, on va vers l'autofinancement, c'est-à-dire le dispositif s'autofinance. Donc, ces paramètres démontrent que les micro-entreprises remboursent le plus normal possible. Le taux de non-recouvrement par rapport à ces chiffres aujourd'hui communiqués par rapport au recouvrement qui a atteint pratiquement les 400%? Le taux de recouvrement, si on prend le taux de mortalité de 10%, donc on a à peu près 10% d'entreprises mortes. Donc on est le taux de recouvrement depuis la création de l'ANSES représente... Le non-recouvrement. Le non-recouvrement. Je parle de taux de recouvrement représente 65%. Et on a un taux de mortalité de 10%. Donc, si on fait la différence, on a à peu près 25% qui sont, c'est des micro-entreprises qui actives, qui ont des difficultés de remboursement. Si on peut parler d'un non-recouvrement ou des entreprises qui ont des difficultés de remboursement, mais qui sont en activité, on parle de 25%. Mais qu'est-ce qu'ils risquent à ce moment-là, pour ceux qui ne payent pas leur crédit? Non, avant de parler de risque, nous, cette catégorie, on lui réserve un accompagnement spécifique. On essaie de les aider, on crée des passerelles entre eux et des grandes entreprises économiques telles que Algérie Télécom, CR, pour leur trouver un plan de charge, pour essayer de les sauver. C'est ça le plus important. Les micro-entreprises qui ont été créées et qui, pour un certain moment, donc échouent et elles sont mortes, ils ne risquent rien. On l'a souvent dit que le fait qu'un jeune crée une entreprise, parce que c'est normal, dans le monde entier, tous les jours, il y a des micro-entreprises qui naissent, des micro-entreprises qui meurent. Donc c'est une règle économique. Le fait qu'il a créé son entreprise, qu'il a essayé, pour nous, on le considère ça comme une réussite. Donc, ils risquent rien. Mais est-ce que vous ne les accompagnez pas au préalable pour éviter justement ce niveau de mortalité qui reste quand même relativement important? 10%, c'est quand même pas rien. Je dis, le 100%, ça n'existe pas, le 100% de réussite. 10%, mais vous pouvez le réduire à 6, 5, 4. Oui, on souhaiterait. Donc, on travaille. Comme j'ai dit au début, on s'améliore. Donc, il y a un accompagnement. Le fait que, si vous voyez le nombre de contrats qu'on a signés, de conventions qu'on a signées avec le secteur économique, le fait que le Code des marchés publics réserve un taux de 20% pour la micro-entreprise, ça rentre dans le cadre de l'accompagnement post-création pour ces micro-entreprises. Alors, nous avons les moyens financiers, c'est ce que vous déclarez, M. Zemali, mais vous ne financez qu'à hauteur de 28% les projets, le reste est la charge des banques. Est-ce qu'on peut avoir une estimation sur les crédits alloués à la micro-entreprise globalement? Je peux vous donner, bien sûr, donc, l'investissement de la micro-entreprise, donc il faut savoir qu'il ne dépasse pas 10 millions de dinars, donc c'est le seuil. La banque finance 70% du crédit, l'ANSES 28 à 29% suivant le seuil de financement, donc 5 millions et 10 millions de dinars, et le jeune rapporte 1 ou 2% comme apport national. Donc depuis la création de ce dispositif, donc les 356 000 micro-entreprises qu'on a financées, a coûté au trésor public 292 milliards de dinars. Alors, M. Mourad Zemali, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui ont commencé déjà à nous contacter. Ils sont très nombreux. Alors, inscription aujourd'hui pour la micro-entreprise en SEJ, un seul document, des allègements signifiants. Oui, l'allègement des procédures administratives a été couronné par un seul document. On s'inscrit à l'ANSEJ à travers un seul document téléchargé et renseigné par le jeune. Donc, une fois il passe devant la commission, une fois il est validé,
il ramène 3 à 4 documents, les factures, le diplôme, la résidence, d'ailleurs tout ce qui est documents état civil, c'est l'ANSES qui s'en charge à récupérer ces documents. Et le dossier est déposé au niveau de la banque. Donc il y a un allègement vraiment extraordinaire. Alors un seul document, mais beaucoup de lenteur pour la réalisation de la micro-entreprise. Beaucoup se plaignent aujourd'hui. Certains disent que ça peut aller jusqu'à un an. Écoutez, malgré les orientations du Premier ministre, de la limiter à 2 mois. Écoutez, non, 2 mois, c'est le délai de traitement dossier au niveau des banques. Si on voit par exemple, à partir de l'entretien individuel, quand il vient le jeune, donc on fait un entretien, on entretient avec le porteur de projet, puis il y a l'établissement de business plan, puis il y a le passage devant la commission et la validation, là, on a un délai qui ne dépasse pas 1 mois chez l'ANSES. Puis, il y a tout ce qui dépend des jeunes, donc c'est la recherche d'un fournisseur, la recherche du local, la création juridique, ça ne dépend pas de l'ANSES. Ça dépend de l'efficacité du jeune, aussi sa relation avec les autres. Et souvent, une bonne partie de ce délai dépend du jeune, pas de l'ANSES. Mais un an, c'est quand même long. C'est beaucoup. Je dis même 6 mois, c'est beaucoup. Mais on a des micro-entreprises qui sont créées en 2 mois, 3 mois. Quand le jeune il est bien organisé, quand il sait où il veut aller. C'est pour cela l'orientation maintenant et le choix du porteur du projet, un diplômé qui a des qualifications, c'est une des raisons qui vont nous permettre de réduire le délai de financement de création d'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs? Est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que les femmes s'intéressent énormément aujourd'hui à la création de la micro-entreprise? Les jeunes aussi sortis de la formation professionnelle, en plus bien sûr des diplômés universitaires. Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs ou chiffres clés par rapport à l'année 2015, par rapport à ces franges de la population? Oui, pour l'année 2015, je vais vous donner à peu près quelques chiffres clés. Donc en moyenne, 91 projets ont été financés par jour durant l'année 2015. Donc, par jour? Par jour, 91 projets financés par jour. Donc si on prend le jour, on voit 21, donc ça fait à peu près 2000 projets par mois et ça fait 23 000 projets par an. Ça. Deuxième chose, donc il y a la couverture des communes. 100% des communes d'Algérie ont été couvertes en termes de financement. C'est-à-dire que toutes les communes ont vu un projet, au moins un projet financé dans le cadre du dispositif français. 56% des projets financés sont des jeunes issus de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Dans quel domaine, par exemple? Dans quel domaine ils s'intéressent? Domaine de l'agriculture, domaine de l'industrie, les start-up. Ce chiffre-là ne dépassait pas les 20% en 2011. C'est deux catégories. Donc c'est très important, j'ai parlé tout à l'heure de la qualité. 74% des projets financés ont un montant d'investissement moins de 5 millions de dinars. 11% des projets financés par les femmes, donc c'est encore faible. C'est vrai, c'est quand on voit les professions libérales, donc la femme représente à peu près 46%. Mais 11% d'une manière générale, c'est encore faible. C'est pour cela, nous, au niveau de l'ANSES, on a créé un couloir vert pour les femmes, pour les encourager encore de créer des micro-entreprises. Mais pourquoi ça reste faible, 11%? Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas beaucoup à la micro-entreprise aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait une étude? On a vu que, par exemple, comparatif, si on voit le secteur salarial, donc on voit que, par exemple, dans certains domaines comme l'éducation, la justice, la santé, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, peut-être la femme, elle cherche plus de garanties parce que l'entrepreneuriat, elle est basée sur le risque, de prise de risque. Peut-être, j'ai dit cette explication, mais ça c'est n'empêche pareil, que 11%, oui, ça n'empêche les que 11%, c'est faible. Donc aussi, on a à peu près 93% des porteurs de projets en moins de 35 ans. Donc 93% parce que le dispositif français, c'est entre 19 et 40 ans. Et aussi, le secteur agriculture, industrie, BTPH, représente 76% des projets financés en 2015. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux indicateurs chiffrés, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, nous avons donné quelques indicateurs. En 2014, vous étiez à 40 000, 800 000 micro-entreprises créées. Ce chiffre, il a complètement changé et baissé de pratiquement de moitié en 2015 pour atteindre pratiquement les 23 676 000 micro-entreprises créées. Alors, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un peu dans les objectifs que vous êtes tracés alors qu'il était décidé à un moment donné par le gouvernement de réaliser pas moins de 45 000 entreprises en
Je pense qu'on est à la croisée du chemin, donc parce que maintenant... Mais on baisse. Non, mais ça va, maintenant on baisse, mais la qualité va augmenter. Je suis sûr que, d'ailleurs, en 2016, on prévoit le financement de 60 000 micro-entreprises. Donc la dotation qui a été allouée, c'est pour 60 000 micro-entreprises. Donc, je pense que le travail de sensibilisation, le travail qu'on a fait au niveau des universités, au niveau de centres de formation professionnelle, la cartographie des activités qui a été réalisée pour chaque région, les besoins des collectivités locales. Donc, je pense maintenant, le chiffre, il va augmenter année après année. Mais est-ce qu'on peut, avec le travail que vous êtes en train de faire, cette cartographie, vous avez une meilleure visibilité sur les besoins économiques aujourd'hui au niveau de chaque région? Parce que beaucoup soutiennent que la richesse, elle est au niveau local. Là, je suis entièrement d'accord, oui. D'ailleurs, on a des cartographies d'activité par commune. Dans le sud, c'est par commune. Parce que ça dépend d'une commune à une autre. Pour cela, maintenant, on oriente les jeunes vers ces activités. Alors, autre question, Monsieur Zemali, entre autres des questions d'auditeurs qui sont très très nombreux à nous avoir contactés sur la page Facebook. Alors, bonjour Monsieur Zemali, je voudrais savoir si l'ANSEJ peut intervenir quand les micro-entreprises rencontrent des difficultés de paiement avec des entreprises étatiques tout en sachant que ces sommes sont colossales. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que vous opérez des arbitrages? Oui, on a intervenu, il y a beaucoup de micro-entreprises qui nous ont contactés, on a réglé les problèmes avec les maîtres d'ouvrage ou les entreprises avec qui ils avaient des créances. Et ça rentre dans notre accompagnement post-création. Est-ce que vous encouragez aussi dans le domaine de la sous-traitance, par exemple dans le domaine économique où les besoins sont importants aujourd'hui? Par exemple, nous avons beaucoup de pôles économiques qui vont être créés du côté de Bura, du côté de Mascara, du côté actuellement de Ouattililette à Oran. Oui, oui, ça fait partie de un des axes principaux de notre stratégie. C'est voir, par exemple, au niveau d'Oran, on encourage l'industrie d'automobile, donc tout ce qui est à sous-traitance. Au niveau, par exemple, de Constantine, il y a tout ce qui est bois, il y a tout ce qui est mécanique. Donc on oriente les jeunes vers, parce que cette cartographie a pris en considération les pôles économiques installés ou créés par l'État. Donc on oriente les jeunes pour créer une base de données ou une sous-traitance qui va soutenir les grandes entreprises. Vous avez créé cette passerelle avec le monde économique? Oui, oui, les conventions qu'on a signées avec plusieurs micro-entreprises, les conventions qu'on a signées plusieurs patronats, donc la dernière c'était avec le FCE, donc où ils vont créer une base de données de micro-entreprises pour sous-traiter tous les travaux qui peuvent être sous-traités par la micro-entreprise, avec la micro-entreprise. Alors, parallèlement, avec le secteur agricole, beaucoup de choses sont en train d'être faites? Oui, oui, avec le secteur agricole, vous n'avez qu'à voir le chiffre de taux de micro-entreprise dans le secteur agricole, surtout au niveau des Suds. Donc, il y a un travail qui se fait avec le secteur agricole et les autorités locales pour essayer de donner, parce qu'il y avait le problème de foncier pour le secteur agricole, donc maintenant ils sont en train de réserver des passerelles, plutôt des parcelles de terrain pour les jeunes, et nous on les accompagne pour créer leur micro-entreprise. Alors pour le code des marchés, 20% sont orientés vers la micro-entreprise, issue de l'ANSEJ ou de la CNAC. Est-ce que aussi dans le code des marchés publics, ce quota est respecté? Des 20%. Alors, difficilement, monsieur Zemali. Difficilement, il n'est pas respecté. Difficilement, il y a une amélioration, mais il n'est pas respecté d'une manière 100%. Donc, il y a certains wilayas, il y a certains organismes qui le respectent, il y a d'autres qui ne le respectent pas. Parfois, ils disent on ne savent pas comment appliquer, or que c'est faux. Le code des marchés publics a bien expliqué l'application de cet article. C'est dans le domaine de la sous-traitance. Voilà, pour réaliser la route, vous donnez le reste aux jeunes dans le cadre de la sous-traitance et activités annexes. Voilà, et c'est dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, parce que là, au lieu de passer à travers un appel d'offres où vous allez perdre du temps, faites une consultation avec des micro-entreprises. Voilà, clé en main pour un projet étranger, 100%. Oui. Non, maintenant, on exige pour les entreprises étrangères de sous-traiter, de réserver une partie de la sous-traitance pour la micro-entreprise. Alors,
Par rapport au taux de réussite, vous déclarez aussi que parallèlement, certains jeunes arrivent à explorer même le domaine international. Ils arrivent même à exporter et ils apportent de la devise à la jeunesse. Oui, oui, oui. C'est des cas concrets. C'est des cas concrets. Ce n'est pas des effets d'annonce, monsieur Zemali, pour vanter le dispositif ENSEJE. À l'occasion de la 40e à 45e anniversaire de des hydrocarbures, donc le recouvrement de la souveraineté sur les hydrocarbures, plus le 60e anniversaire de la création du GTA. Donc on a organisé un salon des micro-entreprises parce qu'il y avait des délégations étrangères, surtout africaines, parce que maintenant les jeunes sont vers l'Afrique. C'est plus facile pour eux d'exporter vers l'Afrique que vers l'Europe. Donc on a ramené des micro-entreprises qui ont signé des marchés avec le Sénégal, avec le Burkina Faso, avec le Cameroun, avec même certains pays du Golfe. Il y avait une femme qui fabriquait du savon et des produits de nettoyage, parapharmaceutiques sur la base de l'huile d'olive, qui a signé un contrat de 5 ans avec la Chine. Donc c'est et qui va exporter. Elle a commencé, donc c'est une vérité. Il y a des startups qui développent des applications, des logiciels pour des firmes, des entreprises étrangères. Donc la micro-entreprise participe peut-être d'une manière vraiment minime, mais ça commence à faire rentrer des devises pour l'Algérie. Minime, est-ce que vous avez des indicateurs ou c'est un peu le début? Je dis le début, ça commence. Il faut les encourager, il faut les encourager, il faut les protéger contre l'importation des produits qui sont produits ici en Algérie. Donc c'était une demande des jeunes. Ils disent qu'on peut satisfaire les besoins nationaux. Il suffit de nous protéger de l'importation, déloyale, surtout au niveau des prix. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs, si vous les avez, sur la participation de la micro-entreprise dans la croissance économique aujourd'hui? Leur part dans la croissance? Non, je ne l'ai pas, mais je sais, ils participent. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage, et souvent... On les a tous les jours, les témoignages. Voilà, les témoignages. Donc, les jeunes commencent à participer, à créer de l'emploi. C'est très important. À créer de la richesse. Vous avez le chiffre de création d'emplois à travers ces micro-entreprises? Oui. On a suivi une qui avait commencé avec 2 emplois, qui se retrouve aujourd'hui avec 1200 emplois créés. Oui, donc elle a dépassé le plus. Donc à titre d'exemple, parce que le volet emploi, nous on a le chiffre au démarrage. Donc parce que par exemple, tous les entreprises qui ont été créées en 2015, les 23 676, ils ont créé 5 570 postes d'emploi au démarrage. Je suis sûr que ce chiffre-là, il sera dépassé après 6 mois, une année. Donc réellement, combien les entreprises aujourd'hui ont créé d'emplois depuis leur création, on n'a pas ce chiffre. On est en train de mettre en place un mécanisme pour suivre, pour avoir le nombre d'emplois créés par ces micro-entreprises à un temps T. Normalement, dans 2 mois, 3 mois, il sera prêt. On peut communiquer les chiffres exacts. Dans le domaine des hydrocarbures, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont considérées comme étant une priorité nationale. Est-ce que vous allez orienter les jeunes à l'avenir dans ce segment d'activité? Oui, on les encourage pour utiliser. Non, vous allez le mettre dans le pipe, c'est-à-dire dans votre feuille de route ou votre nomenclature de proposition. Il est. Donc souvent, donc on nous croit surtout dans le sud. J'ai parlé tout à l'heure des micro-entreprises dans le domaine agricole dans le sud. Donc on les aide à avoir une installation donc avec l'énergie solaire pour éviter l'utilisation de tout ce qui est carburant pour faire marcher leur pompe, faire marcher leur pivot. Donc les jeunes, on les encourage à utiliser les énergies renouvelables. Alors il y a combien de contentieux en ENSEJE non régularisés? Beaucoup pensent aujourd'hui que les jeunes prennent de l'argent et ne remboursent pas. C'est la question de l'auditeur, monsieur Zemali, rapidement. Donc le volet contentieux, peut-être c'est faux. Les jeunes prennent de la rembourse, comme je l'ai démontré au début. Donc le volet juridique, donc à titre d'exemple, donc en 2000, je vais vous donner le pré-contentieux. 25 230 précontentieux. Qu'est-ce que ça veut dire précontentieux? C'est-à-dire des mises en demeure, c'est des visites qu'on fait chez les jeunes. Donc ça monte, ça pour démontrer l'effort que font les agents de l'ENSEJE dans le terrain. Donc on a eu à peu près 6 711 affaires en contentieux. 2 756, ils ont été réglés à l'amiable. C'est-à-dire les jeunes sont venus, ils ont sans passer par la justice. Voilà, sans passer par la justice. Alors, autre question,
arrêter de donner, de distribuer des fourgons à tort et à travers à des jeunes qui font de la tuerie sur les routes. Quel est votre commentaire? Premièrement, depuis 2011, on a arrêté. Et il ne faut pas dire que les jeunes qui ont eu des fourgons, ils sont en train de faire ces dégâts. C'est faux. Donc la majorité des jeunes qui ont eu des transports ou des fourgons participent à l'économie. Nous, si on a gelé cette activité, ce n'est pas parce que le transport est mauvais. Au contraire, moi je dis toujours, le transport, c'est le nerf de l'économie. Seulement, on attend que les choses s'organisent dans ce domaine-là pour réguler cette activité. Donc, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des transports, ils ont réussi, ils ont développé leur activité. Alors, un autre auditeur qui vous dit, Monsieur Zemali, je pense que l'enseigne est la source du désastre de l'économie algérienne. C'est son avis. Moi, je pense que l'enseigne a permis à beaucoup de jeunes de réaliser leur rêve. Eh bien, sur cette pointe positive, nous allons terminer et clore cet invité de la rédaction. Monsieur Mourad Zemali, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été ce matin avec nous sur les ondes. Et bon courage à tous les jeunes.